Bonjour, bienvenue à la visite du 15 bis rue de la Libération. Donc voilà, le bien en question, donc c'est comme une petite maison. Il n'y a personne au-dessus. Le casino est juste un peu plus loin là-bas, donc on est plutôt bien placé. Les commerces sont juste ici. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop là. Voilà. Petit dégagement d'entrée qui va donc desservir toutes les pièces. Vous avez donc à droite une première pièce qui peut être la chambre. C'est la plus grande des deux pièces. Voilà, donc plutôt la chambre à ce niveau-là. On a un très bon double vitrage, hein, épais. Il y a des volets métalliques à l'extérieur, persiennes. Vous avez donc chauffage électrique dans le logement et l'eau chaude également. On a la fibre optique que vous voyez là-bas. Encore un chauffage ici, donc là c'était toujours l'entrée. Donc en face de cette pièce là, vous avez un petit bureau ou une petite chambre. Mais vraiment petite pour le coup. Donc même chose, côté rue, double vitrage assez performant. Volet métallique, fenêtre oscillobattante, donc basculante, et convecteur assez conséquent aussi. Et on débouche donc dans le salon, qui lui est côté, je fais comme ça sera mieux, qui lui est côté intérieur, où là vous aurez une cour intérieure attenante au logement. Voilà, séjour ouvert sur la cuisine. Donc fourni, donc c'est la plaque, le four, la hotte et quelques meubles. Après vous pouvez rajouter le frigo par ici et le lave-linge ici. Il nous reste encore un peu de place par là. Donc comme je vous disais, il y a une petite cour qui fait partie du logement. Donc voici. Une petite cour intérieure qui donne sur un petit immeuble à côté. Cette partie-là, on y va après, c'est la salle de bain, etc. Vous avez un cabanon, hop, une cave du coup, pour le stockage. Et donc là, c'est les logements voisins. Par contre, il y a juste un droit de passage de la voisine pour aller à son cabanon à elle, qui est dans le fond. Ne vous inquiétez pas, les gens sont très sympas. Ici, même chose, toujours persienne métallique, double vitrage partout. On continue par ici. Donc là, on a un dégagement, comme je vous le disais, qui va desservir salle d'eau et toilette. Donc le ballon d'eau chaude qui est tout neuf, plutôt performant. Ici, première porte coulissante, toilette suspendue avec petite fenêtre. Ici, vous avez la salle de douche. Donc, pareil, il y a une petite fenêtre. Douche. Voilà ce qui est miroir. Voilà, vous avez tout vu pour ce logement de la Libération. Avec ses deux chambres, ou sa chambre, son bureau, et salon, cuisine ouverte.